aujourd'hui, je vais vous lire un poème d'un poète belge qui s'appelle Timoteo Sergoï, qui a écrit différents recueils, dont celui-ci qui s'appelle Apocapitalypse. Le titre est déjà très évocateur. C'est une poésie évidemment assez sombre, mais pas qui a des aspects joyeux, parce que Timoteo Sergoï est quelqu'un qui est à la fois poète, à la fois performateur, dessinateur, clown aussi, randonneur. C'est un homme extrêmement polyvalent et qui avale la vie, qui mâche la vie à pleines dents. Donc je vais vous lire un texte qui n'a pas de titre. Alors nous construirons de la lumière, des colliers de fenêtres, des bougies de gâteaux, des phares de pierre, des phares de mots, des phares d'avalanche et des ampoules aveugles, chandelles éblouies dans le fleuve de la nuit, avec du bois, des cordes et des larmes, des cailloux et de l'encre, des cages et des tables, des feuilles de journal, des marteaux et des scies rouges. Nous construirons de la lumière. Nous porterons haut nos plumes en feu, le flambeau de nos voix charbonneuses sur les barques de brouillard, sous la lune immense et sale, sans horloge ni livrée. Et les chapeaux encravatés nous regarderont passer. Où sont passés les oiseaux ? On ne les entend plus. Ils sont morts, monsieur. Et les poètes arrivent. Tard, mais ils sont là.